Bonjour, je suis Charlotte et je vous dis tout. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour parler du cosmopoème. On passe à l'intro. Clairement, nous sommes déjà tous posé la question de nos origines, de la naissance du monde, de notre propre naissance d'ailleurs. Un vaste sujet. Nous retrouvons ces thématiques dans la littérature, l'art, le cinéma, la religion et la science, avec pour inspiration les textes fondateurs, les mythologies, les histoires, les contes, les livres sacrés, les théories scientifiques. Et quand on parle de récits de naissance, on parle de cosmogonie. D'ailleurs, la genèse du monde est le premier sujet auquel s'attachent les mythes, et nous en connaissons tous. Généralement, dans les récits cosmogoniques, la création s'opère à partir du chaos ou du néant. On parle aussi de l'œuf primordial, l'œuf cosmique. Et dans le cosmopoème, c'est cet œuf cosmique qui a explosé pour en faire jaillir la vie. Un bien joli titre pour raconter de façon poétique une histoire de création. C'est parti, on développe. Je vais vous apporter quelques éclairages à partir de quelques questions. Quelle forme artistique pour le cosmopoème? Le cosmopoème revêt une multitude de formes artistiques. La poésie, le son, le corps, la sculpture. C'est une expérience totale où vous pourrez retrouver une multitude de médiums, donc difficile de l'enfermer dans une seule catégorie. Comment se construit le spectacle? Le spectacle se construit comme un voyage. Première étape, admirer ce magnifique objet sculptural juste derrière moi qui a été confectionné par Bruno Dupire, artiste, plasticien, sculpteur de la région et qui vous propose une version cubique de l'œuf cosmique. Je ne vous en dis pas plus, cet objet vous révélera tous ses secrets en temps voulu. Juste un indice, il servira de terrain de jeu et servira à la performance de Nathalie Lecor, une façon de rendre le mouvement encore plus poétique. Deuxième étape, écouter. Vous serez plongé dans un univers sonore incroyable. Comme vous le savez, le laboratoire sonore de l'espace Pasolini fait toujours partie des processus de création. Toujours mené par Philippe Asselin et Behrang Barui, cet artiste iranien que j'avais présenté dans une vidéo précédente pour vous parler du spectacle Lille Téhéran. Son onirique créé par la voix de Behrang et le synthétiseur modulaire de Philippe, une ambiance qui nous plonge dans le cosmos à l'orée d'une forêt au bord d'un ruisseau. Quelles émotions? Toutes celles que vous souhaitez ressentir. Le cosmopoème ne vous propose pas de réponse aux questions du cosmos, non. Il vous propose de vous laisser guider dans un imaginaire, une rêverie, où chacun crée ses propres images, et c'est alors à vous d'inventer votre propre naissance au monde. Pour qui? Pour les petits, à partir de 6 ans, vos amis, vos collègues, votre famille, vous, pour tous. Et pour conclure, les informations pratiques. Le cosmopoème est programmé dans le cadre de la programmation hors les murs du Phénix Scène Nationale Pôle Européen de Création du 24 avril au 12 mai. C'est la possibilité de choisir parmi 13 dates. Comment réserver? C'est simple, vous pouvez passer par la billetterie du Phénix ou celle de l'espace Pasolini. Vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un mail ou même commenter cette vidéo. Voilà, je vous ai tout dit, il ne vous reste plus qu'à planifier votre petit voyage dans le cosmos. Pour ma part, j'attends de vous accueillir avec plaisir à l'espace Pasolini et je vous dis à tout bientôt. Merci Charlotte. Merci Charlotte.